Direction Pau, fief de François Bayrou, à l'ombre des Pyrénées. Le TGV pour un banlieusard, ça change du RER. On quitte rarement notre béton. Allez, au travail. Bonsoir François Bayrou. Bonsoir. Soyez le bienvenu. On ne parle pas souvent des sondages ici, mais nous accueillons ce soir le deuxième homme politique le plus populaire de France. Ça vous donne des ailes ? Franchement, il faut dire que la popularité ne fait pas tout. Et j'espère... François Bayrou, ce n'est pas le maire de province habituel, le coq de village standard. Le bonhomme est aussi patron du Modem, ancien ministre de l'Éducation nationale et ancien troisième homme de l'élection présidentielle de 2007. François Bayrou, un familier de tous les Français. Un peu à l'image de Pau. Si loin, si proche. Après, pour ce qui est question d'actu, parce qu'on démarrera par les attentats du week-end dernier, et élargir après, quoi. Tout ce qui est sécurité. Ouais, mais bon, il n'y aura pas que ça. Non, pour démarrer. Après, comment ils comptent mettre en place la sécurité à partir de demain et... Oui, comment on gère la sécurité au niveau local. Au niveau local. Il y a une grosse manifestation. Les idées mènent le monde qui démarre vendredi. Les manifestations sont censées être interdites sur tout le territoire français pour le coup. Donc, Et moi, je voudrais aussi qu'il m'explique... Qu'est-ce que c'est que le centre ? Parce que pour beaucoup, c'est assez abscon. Non, mais c'est une vraie question que beaucoup de monde se pose pour le coup. Bonjour, Eddy Rossini, Inès El Aboudi. Bonjour. Bondi Blog. Enchantée, voilà. Isabelle Deluga. Je travaille avec François Bayrou, donc à la mairie de Pau. D'accord. Bienvenue à Pau, alors. Donc, merci beaucoup. On va aller prendre le funiculaire pour rejoindre la mairie. D'accord. On vous suit. Très bien. Dès l'arrivée, prendre de la hauteur pour accéder au nouveau fief du Béarnais. François Bayrou est né à 20 km de Pau. C'est dans cette région qu'il a grandi, qu'il a toujours vécu, et les rapports entre monsieur le maire et ses administrés sont bon enfant. À Pau, François Bayrou est chez lui, en famille. Le vendredi soir, tous les vendredis soirs de 18h à 20h, dans cette salle-là, François Bayrou fait un forum citoyen, c'est-à-dire que tous les Palois qui le souhaitent peuvent venir le voir et poser des questions. Donc c'est plutôt gentillé ou des fois Ça dépend. Et puis c'est des questions de tout ordre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très apprécié. Et depuis un an et demi que François Bayrou est à la mairie, vraiment ça ne désemplit pas, quoi. Ouais. On demandera aux Palois si le ressentent comme ça. Ouais. Toujours affairé, François Bayrou joue à saute-mouton sur toutes les cases de son agenda. C'est le palais des congrès. En ce moment, il n'est pas à la mairie, mais au palais Beaumont, où il prépare les rencontres littéraires. Les idées mènent le monde. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Monsieur le maire, bonjour. Les idées mènent le monde. C'est le bébé de François Bayrou. Il a créé ce festival culturel dès son arrivée en 2014. Durant 3 jours, il s'investit totalement dans cet événement. C'est une manifestation culturelle très impressionnante. L'an dernier, on a eu 20 000 personnes. Je pense que cette année, si les attentats ne renverse pas tout, on aura plus encore. Vous avez hésité à maintenir l'événement ? Non, je n'ai pas hésité parce que c'est très simple, il faut continuer à vivre. Ce que veulent ces gens-là, c'est faire s'effondrer le pays et créer de la haine entre les gens. Et quand on fait une manifestation qui est une manifestation profondément humaniste, on va dire, se rencontrer, parler, dialoguer... alors on fait reculer la haine, autant qu'on peut. Excusez-moi de vous dire ça, mais vous n'êtes pas un maire normal, vous êtes un peu un personnage public connu de Navarre jusqu'à Lille. Vous avez peur d'être une cible ? Non.
Non, vous comprenez, c'est très simple. Si vous avez peur, vous ne pouvez pas vivre. Et si vous ne pouvez pas vivre... Mais on peut accepter la peur et la combattre, non? Non, j'ai pas... Ouais. Je ressens pas ça. Il m'est assez souvent arrivé de recevoir des menaces, y compris des menaces physiques. Et ça a toujours été de la part de Français de souche qui probablement estimaient qu'il n'y avait pas plus Français qu'eux. Je ne veux pas vivre dans la peur. Je sais qu'il faut prendre toutes les précautions nécessaires, mais je n'ai pas facilement peur. En tout cas, je ne veux pas. Ben, merci. Merci. Courage. Courageux, Bayrou. Et travailleur. Sans transition, il nous embarque dans une réunion des maires de l'agglomération. Au programme de la soirée, PLUI, Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, et GPECT, Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales. Bon, c'est un sujet terriblement compliqué, comme chacun d'entre nous le sait, et c'est un sujet d'autant plus compliqué que nous ne sommes nullement à l'initiative. Difficile de suivre. On aurait peut-être mieux fait de réviser notre géographie du Béarn. Le cadre naturel de mon engagement politique, c'est ici. J'ai jamais été élu ailleurs ici. En fait, ce que vous me dites, ça m'est un peu pour cumul de mandats limités. Je trouve... Alors, ça serait une trop longue discussion. Oui. Mais l'enracinement... Et on aura plus de temps demain pour parler. L'enracinement d'un élu, moi, je trouve que c'est précieux. Le fait qu'il parle de ce qu'il connaît vraiment, je trouve que c'est précieux. Et trop souvent, l'Assemblée nationale, le Parlement, tout ça, c'est très, très loin de la vie des gens. Est-ce que François Bayrou a une bonne image auprès des jeunes? Auprès des jeunes, moi, franchement, je sais pas, j'en parle pas avec eux, parce qu'on parle pas trop de ça, mais bon. Moi, pour moi, ça va, c'est pas le pire, il fait des choses bien. Mais voilà, il a une bonne parole quand même. Je trouve que la ville, elle a changé depuis que c'est lui, ouais. Ça fait un peu plus d'un an et demi. La ville a changé. La ville a changé, bien sûr. Plus de sécurité dans la ville, des caméras. Comme je vous ai dit, quand on habite dans les alentours, c'est compliqué. Dans certains quartiers, quand la plupart ils viennent de certains quartiers, c'est catalogué. Comme partout, on va pas, voilà. Ici, il n'y a pas de boulot pour vous, quoi? Non, il n'y a pas trop de boulot. Quand t'es jeune ici... Non, quand t'es jeune ici, c'est soit tu travailles, soit tu vas au lycée et tu fais les choses que tout le monde fait, ou soit rien du tout. Et maintenant, vous êtes en âge de voter aux prochaines élections, si M. Bayrou se présente? Je voterai pour lui. Pour Bayrou? Ben oui. Je ne veux pas voter pour ni pas... Sarkozy, ni pour... C'est parce qu'il est d'ici? Non, loin de là. C'est même avant qu'il soit d'ici. Il a déjà demandé d'être maire ici, ça l'a refusé. Après, il a demandé d'être président. Il n'a pas réussi, il est devenu maire ici après. Ça n'a rien à voir, c'est juste dans la tête si vraiment il en a ou pas. Est-ce que vous pensez que M. Bayrou comprend les quartiers populaires? Ouais, moi je pense que ouais. Je pense que ouais, mais bon, ça passe en deuxième temps quand même. Alors, François Bayrou, dans son fief, tu le trouves différent de François Bayrou, président du Modem à Paris? On l'a pas vraiment vu à Paris, on s'est entretenu avec lui 5 minutes, mais... En fait, ici, je pense qu'il a plein d'obligations, mais quand tu vas vers lui, t'as l'impression qu'il... Il joue bien le jeu, pas, ouais. Qu'il veut pas te répondre, tu vois, qu'il est hyper réticent, et en fait, une fois que tu démarres avec lui la conversation... Il y a un a priori négatif, mais finalement... Ouais, et finalement, il se lâche, il parle pas mal, et il faut limite l'arrêter, quoi. Ouais, non, c'est ce que j'ai remarqué. Après, bon, pour l'instant, on n'a pas encore... Bon, c'est le début, on n'a pas encore posé les questions qui fâchent, ouais. Les questions qui le mettront en danger, parce que bon... C'est clair, là, c'est un peu les présentations. Il joue le jeu, en tout cas. Ouais. Monsieur Bayrou, merci de nous accueillir dans votre bureau. Je vais vous montrer une vidéo d'un de vos sympathisants, comme on pourrait l'appeler, qui veut vous faire passer un message. On n'oublie pas ce qu'ils ont fait pour nous, la gauche. Sans Mitterrand, je pense pas qu'on serait où on est. Je te le dis franchement. Mais je trouve qu'il y a des bonnes idées à droite comme à gauche. Est-ce que tu penses... Et les idées du centre, je trouve que ça les regroupe. Est-ce que
que tu penses que Béraud, ça peut être un troisième choix, une troisième voie? Moi, je le voyais en premier choix. Comme je t'ai dit, j'ai voté pour lui. Je le voyais vraiment en premier choix. L'erreur qu'il a fait pour moi, c'est de partir et devenir maire de Pau. Enfin, quand je te dis, c'est pas une erreur peut-être pour Pau, mais c'est une erreur dans la vie politique. Il a quoi? Il a à la frontière de l'Espagne. Il est mort médiatiquement. Qu'est-ce qu'on va parler de Pau? Au moins, il aurait pris une grande ville. Monsieur Bayrou, une seule question. Partez de Pau, c'est pas une question, c'est une information. Partez de Pau, revenez dans la vie politique. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de... Oui. Bon, j'ai jamais quitté la vie politique, oui, comme vous le savez. Il suffit de regarder, comme vous disiez, les chaînes et les émissions. Ce qu'il faut rappeler à votre ami d'enfance, là, c'est que Pau, c'est en France. Que même c'est une ville qui a dans l'histoire de France une importance très. Oui, mais vous comprenez grand. Que lui. Je pense non. Que pour lui, c'est peut-être loin. Enfin, ça reste non. Loin de Paris, de la capitale. Non, sûrement pas. Au contraire, d'une certaine manière, à Paris, c'est une espèce de cocotte minute coupée de la réalité. Comme vous savez, vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée il y a 3 jours. Au moment où le pays était en deuil, ils se sont écharpés, insultés à l'Assemblée, ça a donné un spectacle tragique. Bien sûr, plus on est dans la réalité, plus on est un peu éloigné, pas trop, mais un peu éloigné de cette espèce de bouillon de culture, là, de cette espèce de cocotte fermée, plus on est proche des gens. Vous parlez béarnais ? Oui. Vous savez qu'à un moment, par les Béarnais, ça a été vu comme une atteinte à l'unité nationale. Oui, absolument. Oui. Donc vous pouvez peut-être comprendre que certains débats bien sûr. À la société française... Bien sûr. Non, mais... comme une... Alors, ça encore, c'est une question très profonde. Oui, alors, je vais essayer de vous dire ce que je sens sur cette question et depuis longtemps. Au fond, qu'est-ce qui pourrit la question de l'identité ? Pourquoi c'est devenu quelque chose d'aussi brûlant? C'est parce qu'on vit en France avec une idée bizarre et fausse à mes yeux, qui est qu'un être humain ne peut avoir qu'une seule identité. T'es français ou autre chose. T'es français ou béarnais, t'es français ou marocain, t'es français ou... Faut choisir. Or, l'identité d'un être humain, elle n'est pas simpliste. Je suis français pleinement, par toutes mes fibres, et je suis béarnais, et je parle béarnais, et je suis chrétien, comme d'autres peuvent être juifs ou musulmans. Et si on se mettait dans la tête que... l'identité, elle n'est pas une amputation. Comprenez ce que je veux dire. Elle peut être un rassemblement. Hein, on a son itinéraire et on se souvient d'où on vient. Et puis, on a aussi l'appartenance à la nation. Et pour vous, c'est une force, au contraire. Et pour moi, c'est une chance. Mais vous êtes chrétien assumé. Oui. Et politique, ce qui, je suppose, n'a pas dû être facile tous les jours. Vous imaginez un élu musulman qui dit oui, je fais 5 prières par jour et je vais alors, m'inscrire. Bien sûr. Il va s'en manger une volée de bois vert, peut-être en l'en dégoûter, je veux dire. Eh bien, je ne crois pas. Comme vous dites, je suis croyant et même pratiquant. Je vais à la messe. Alors, c'est une bizarrerie dans le monde politique français, parce que... En général, on n'assume pas... Il n'y a pas beaucoup de croyants, et encore moins de pratiquants. Et en plus, je ne considère pas l'Église comme un parti politique. Au contraire, je n'aime pas quand c'est un parti politique. Je prends des distances. Mais ça fait que je comprends les femmes et les hommes de foi. Et je suis absolument persuadé que la société devrait donner toute leur place à des élus qui seraient musulmans et qui feraient le jeûne, le pèlerinage, l'aumône, les prières. Mais c'est quelque chose qui aurait du mal à être accepté par... Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça reste... l'islam...
reste toujours une problématique qui fait peur à certains. Non, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas vraiment le. C'est une problématique à cause de ces, de cette maladie-là qu'on ressent, que les médias, naturellement, à laquelle les médias donnent de l'écho, et comment en serait-il autrement avec les événements que nous vivons. Simplement, alors, si je puis dire avec respect, oui, je vous en prie. C'est à l'intérieur de la famille musulmane qu'il faut que se déclenche la lutte contre cette maladie-là. L'idée de l'exaltation religieuse, je m'en méfie. Je trouve que, à d'autres époques, on aurait dit le diable se cache là-dedans. Ça relève de la drogue. Et vous l'avez connu vous-même Non. C'est des confidences. Hein. À l'intérieur de moi, c'est une affaire paisible. C'est une affaire apaisante, c'est une affaire de paix. La foi, l'idée que le monde n'est pas absurde, l'idée que nous sommes en lien avec quelqu'un, et l'idée que l'amour est plus fort que la haine. On commence à voir les montagnes là. C'est pas le pic du Midi là-bas ? J'ai l'impression, je suis pas une spécialiste, mais moi je pense. Plus, mais moi, comme on m'en a parlé, ouais. Alors, première impression ? Plutôt positive, hein. Enfin, pour l'instant, l'image que j'ai, c'est que, ouais, il se détache un peu des autres politiques, quoi. Ouais. Non, il a l'air plutôt sincère quand il parle, mais là, on est vraiment chez lui, il est dans son cadre local, où il a grandi, où il est né, où il habite. À Paris, je ne sais pas si ce serait. Enfin, s'il aurait pris autant de temps pour nous expliquer les choses, pour parler, je suis pas sûre. Tu sais, dans la mairie, il n'y a pas trop de monde. De la mairie. En vrai, il n'y a pas de queue pour l'état civil. Ouais, c'est une mairie plutôt vide. Ça change de chez nous. C'est l'avantage d'être dans une ville à taille humaine. Ouais, c'est vrai. Mais la France n'est pas une ville à taille humaine. Alors, est-ce que être maire de Pau, ça te prépare à être président de la République ? À destin national ouais. Un maire du terrain, pas ce président. Est-ce que les idées du centre que porte M. Bayrou, ça vous parle ? Est-ce que vous arrivez à définir le centre ? Oui, le centre, effectivement, c'est ni gauche ni droite. C'est-à-dire, lui, son idée, c'est que ce clivage permanent qui gouverne, il voudrait un rassemblement républicain. Ça, c'est tout à fait normal. Et pourquoi pas, au jour, essayer cette idée. Non, mais ce serait bien. Le problème, c'est que ça ne marche pas en France. On a essayé déjà dans le passé de réunir plusieurs opinions, obédiences politiques. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il a un avenir national par rapport à ça ? Parce qu'en fait, je ne suis pas sûre que les Français soient prêts à ça, surtout dans la période actuelle où c'est très très compliqué avec les événements, où les gens ne sont plus capables de faire la part des choses. Voilà, c'est bien de se poser en rassembleur et rassurer les gens. Moi, je suis au contraire, je suis plutôt pour. Mais on a du mal à y croire, quoi. C'est difficile. On est dans un monde où c'est difficile de croire à cette parole. Donc voilà. Je trouve qu'il a fait pas mal de choses intéressantes. Je trouve que depuis qu'il est maire, il me semble. Puis bon, on parle davantage de Pau aussi. Enfin, je pense dans les médias, ça aussi, c'est bon. Voilà. Vous pensez qu'il peut être aussi proche des Français si, en tant que président, je pense aussi. Bon, voilà. Quand on a vu la dernière émission des Paroles et des Actes, là, je trouve que bon, voilà, le discours est intéressant. Maintenant, bon, à voir. Hein, c'est comme tout homme politique. Bon, mais oui, je pense que oui, il peut être proche des Français. Malgré tout, je trouve que ça reste un homme politique à part et qui a fait des choix courageux donc pour sa carrière, c'est vrai que... Vous pensez que le courage, c'est récompensé en politique ? Ou c'est plutôt le... Voilà, est-ce que le courage est récompensé ? Pas tellement. Samedi après-midi, débat autour de l'enfance.
Là aussi, monsieur le maire est à la manœuvre. Alors j'appelle Philippe Toretto. Et voilà, alors je vais faire le monsieur loyal et en risquant parfois quelques remarques. Il faut allumer un tout petit peu plus encore la salle. La salle, pas la scène, la salle qu'on se voit. J'ai une chanson. Vous avez une chanson, j'ai une chanson, vous échangez des chansons, un peu, deux chansons chacun. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Il y a là quelque chose qui est une mystérieuse alchimie, qui est qu'on s'enrichit sans s'appauvrir. L'échange dans le domaine du verbe être enrichi sans s'appauvrir. Et pour moi, c'est toute cette manifestation, elle tourne autour de ça. On s'enrichit en échangeant. Je crois que François Bayrou a un côté assez paternaliste avec ses collaborateurs. Il est toujours un peu dans le rôle du chef de famille. Donc il va, par exemple, au début, la première fois, ça m'avait fait sourire, il nous appelle chacun d'entre nous, sans distinction, mon enfant. Et donc il commence parfois ses phrases par mon enfant, c'est un côté assez affectueux. Et ça l'empêche pas, comme un père de famille, comme beaucoup de pères de famille, d'être très exigeant. Il ne va pas hésiter à dire quand on n'a pas été à la hauteur de ce qu'il attendait. Mais il n'est pas, pas rancunier, donc c'est très agréable. C'est que bon, voilà, parfois il n'est pas content, il dit, ensuite on passe à autre chose. Vu comment tu décris François Bayrou et vu comment on décrit certaines personnes à Pau, j'ai l'impression qu'il est un peu trop tendre pour être dans la politique, c'est un monde de loups. Je sais pas. Si c'est un monde de loups, oui, je sais pas. Je pense qu'il a, a quand même eu des coups durs, comme beaucoup d'hommes politiques, il s'est toujours relevé, quoi. Je veux dire, tout le monde, il y a eu plein de fois, on lui a dit que c'était un homme mort. Hein. Enfin, je pense qu'il a entendu cette phrase, comme plein d'hommes politiques, des tas de fois. Je veux dire, c'était, voilà, il a pas eu la mairie du premier coup, il a perdu son poste de député en 2012 aux législatives parce que la gauche a présenté un candidat face à lui alors qu'il avait quand même appelé à voter François Hollande. Il s'est toujours relevé des coups qu'il a pris. Donc je pense que, voilà, si... S'il y a des fauves, il en fait partie. Et puis, sinon, il ne serait pas là où il est aujourd'hui, quoi. Monsieur Bayrou. Bon, j'étais très content de vous avoir. Merci. J'ai pas pu m'occuper de vous comme j'aurais voulu pour les raisons, voilà, mais... C'était très intéressant, non ? Oui, justement, j'ai une question à vous poser. Vous êtes maire de Pau ou animateur de débat ? Je suis tout ça. Ici, on ne trie pas. On fait tout ce qu'on doit faire et on met la main à la pâte quand il faut. Dernière question. Après, je ne vous embêterai plus pendant un moment. On a eu du mal à... Parce qu'on a interviewé les Palois, c'est notre boulot. Hein. On a eu du mal à trouver des détracteurs. Cependant, un de vos électeurs m'a dit que, quand je lui ai posé la question « Est-ce qu'un bon maire de Pau ferait un bon président de la République ?» Il m'a dit « Je ne sais pas si un bon commercial ferait un bon directeur commercial. » Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? Je ne prends pas les choses comme ça. Ce que nous montrons ici, c'est qu'on peut trouver des réponses concrètes, pratiques, que tout le monde voit bien. Tout ça, je suis persuadé qu'on peut le faire aussi à l'échelon du pays. Mais je ne fais pas ça pour gagner des points ou pour avoir une démarche commerciale. Je fais ça parce que je considère que je dois le faire. Ben merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Encore au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui. Il a pris le temps. Double bise. Hein. Le bon maire de Pau ferait-il un bon père de la nation ? Ici, tout le monde semble l'aimer. Rassembleur, apaisant, parlant à tous et ne méprisant personne. À l'écouter, à le suivre quelque temps, on serait presque rassuré par ces évidences indispensables à rappeler. François Bayrou, si proche des Français et si loin de leurs rêves,